Comme on dit, c'est le calme avant la tempête. Mais on débute en beauté avec notre belle sortie au X-Carat. On a des drôles de squeegee au Mexique. Alors, je suis en train de me diriger dans un tunnel. Oh, avec des petits jets de... des petits jets qui nous rafraîchissent. Ça fait à peu près 30 degrés dehors. En dessous, ici, je dirais 22,5. Ah, il y avait de l'eau. Et je cherche la rivière Maya. D'où Riviera Maya. Pour aller faire un petit tour. Hey, c'est vraiment beau. Waouh! Ben là, il y a plein de chemins. On va à la gauche. Alors voilà, je suis au bout du tunnel. Je crois que ça commence ici. Je disais qu'elle était froide, moi je la trouve parfaite. Vraiment, très bonne. Bien sûr, je suis seul. Il y a du bruit là, mais je suis seul. Regardez! On en profite. C'est beau. Aucun sens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là là! Je suis sur un site archéologique des ruines de Maya. Ça, j'aime ça. J'ai aucun guide pour m'expliquer l'histoire. Mais on trouve ça beau pareil. Il y a eu de quoi ici il y a des centaines d'années. Puis c'est ça qui est intéressant. Pour se laver les mains. Tu dois jouer avec le petit truc ici. Fucky. Alors, c'est un autre truc. C'est dur à voir sur vidéo, mais c'est grand. Un tabarouette. Ça a l'air d'être un buffet en haut. C'est beau en tout cas. Quel bord on va. Oups, ça a l'air long, ça. Un long tunnel. C'est juste noir. Je vois juste rien. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est bien fait. Mais ça coûte cher.
une journée X carat. Ici, on a une école, une vraie école rurale, où ils invitent une centaine d'écoles à venir ici chaque année pour s'imprégner de la culture maya. Très bonne idée. Il fait très chaud. Ouais. Mais ils sont habitués, nos amis les Mexicains. Je sais pas si je dois rire. C'est mon lunch. Petite pluie. One pie. Alors, on y va. J'ai pas peur de l'eau. Mon iPhone n'a pas peur de l'eau non plus. C'est un temps humide. Ah, il me cherchait ma cervelle, ça, pour favor. L'hôtel a commencé à enlever, même à l'intérieur, c'est ça qui fait peur. Tous les coussins, tous les trucs qui pourraient revoler. Ils ont tout enlevé. Et ça commence après-midi. Le temps est déjà en train de se noircir, comme on dit. Et l'œil du gros ouragan va être ici. Exactement. Alors, en vue de l'ouragan, ils sont en train de placarder tous les trucs. Ils ont tout enlevé, il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien finalement. Hello everybody! Alors c'est peut-être mon dernier message, parce que j'aurais plus d'électricité, ils vont couper. Ils ont dit qu'ils allaient couper par mesure préventive l'électricité dans tout le Yucatan. L'œil ne peut pas être plus sur nous. L'œil de l'ouragan s'en vient directement ici à l'hôtel. Les coups, vous entendez, c'est les immeubles qui sont en train de se faire barricader. Comme vous voyez. Et on s'en va, nous, être évacués. Je ne sais pas pourquoi il y a une corde là. Au théâtre. La pluie a commencé. Il n'y a pas de vent. Mais il n'y a plus de soleil. On est fatigant. On est en route vers le théâtre. Tout le monde avec ses oreillers dans les mains. Fucké! Très fucké. Tout est placardé. Les boutiques sont vidées. Vamos a tratar de hacer esto lo más ágil possible. L'ouragan est dehors. J'étais rechangé de place. Maintenant, je suis rendu sur la scène. Eh bien, salut! Il est midi. Pas dormi. L'ouragan est passé. Et il y a des dégâts. Je viens de sortir à l'instant. Je constate les bugs en même temps que vous. Donc, ouais. Les chats ont su profiter de la situation. Et ça l'a arraché du sol. Pas de blessés, on est sortis sains et saufs. Là, je m'en vais prendre une douche. Quelqu'un veut un lézard? Écoutez, ça spin, hey ça. Je suis une vedette. Bon, je viens de faire un live sur Twitch. Et ça a fuck all fonctionné. Genre, pas du tout. Fait que là, j'en refais un autre. Je dirais que c'est ma dernière journée. Il est, je sais pas quelle heure qu'il est. Il est cette heure là. 18h quelque chose. Le soleil s'en va tranquillement, pas vite. Puis je suis, Hein? You have me laughing at the theater. Yeah? The hurricane? Yeah. That's why I got the fucking thing and I said,
slept on the floor because of you. Thank you for the idea. J'ai rien compris. J'ai fuck all compris ce qu'il a dit. Mais je vais essayer de recommencer mon astuce vidéo. Et c'est encore moi. Prise 3. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a accroché. Hey, je sais même pas ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que tu veux, on fait un hyperien. Alors, c'est ma dernière journée. Il fait soleil. Il fait 30 degrés. Il faisait 36 tantôt. Alors, c'est ça, nos amis, les Coati, Coatipu, Coatipa, qui vont manger ce que le jeune est en train de lancer en bas. Ils mangent des peanuts. C'est poqué de voir ça devant tout le monde. Lui, il s'approche de moi. Il me chicane l'autre. Lui, il fait comme, « As-tu quelque chose à manger? J'ai mal aux pattes, j'ai mal à la patte. » Oh, petit bide. Il fait comme, hey, c'est moi qui suis doué, pas toi. Va-t'en là-bas. Ça a l'air vraiment intelligent pour vrai. Mais il a l'air blessé. Et on a le party pool. Puis c'est ce que je disais dans mon live. Imaginez, ils passent la journée là, eux autres. Parce que tu peux te commander de la bière, tu peux te commander des trucs directement là. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est ça. Vous avez bien pensé. C'est pour ça que l'eau est pas très claire. Hein? Ben oui, c'est encore moi. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas achalé pour ma bouffe. Alors voici mon dernier repas au Route 66. Alors, dans une ambiance américaine, je vais savourer un repas typiquement américain. Je ne me souviens même plus du nom. Mais c'est ça, avec un mac and cheese, des biscuits, ouais, biscuits, mais ça me semble quelque chose de même. Avec le mac and cheese, la salade, bon, un morceau de blé d'Inde, je crois. Puis le tout accompagné de mon Pepsi Diet, évidemment, évidemment. Ça va être bon, ça va être bon. Fait que le dessert, c'est un truc de beurre de peanut mélangé avec je sais pas quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est la petite tomate. Pourquoi elle a la petite tomate? C'est pas une tomate. Elle goûte sucré. Elle goûte une tomate, mais sucrée. Il y a comme des petits fruits dedans, des petits noyaux. En tout cas, c'est pas une tomate. C'est quoi, je ne sais pas. Wearing a face covering over your mouth and nose is mandatory requirement.